Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur un tuto sur Dictyng Fusion 2.5. Aujourd'hui, je vous propose comment bien débuter avec ce programme. Est-ce que vous avez besoin pour faire des jeux avec ce logiciel? Et on commence. Tout d'abord, vous pouvez avoir ce logiciel dans une version gratuite, mais qui va vous donner que la chance d'avoir 3 frames. Je vais vous montrer ici où vous voyez ma souris. Je vais faire cliquer, nouveau. Vous voyez, ça c'est une scène. Mais ce n'est pas l'intérieur d'une scène. Avec la version gratuite, vous allez pouvoir faire que seulement 3 scènes comme ceci. Si je peux vous donner une opinion, c'est que la version standard, comme vous voyez en ce moment, qui est ma version originale, parce que la version développeur que vous avez vue, il ne m'appartient pas. C'est quelqu'un qui m'a offert son code et que j'ai utilisé. Mais aujourd'hui, je vais montrer le standard, car le standard et le développeur se ressemblent très, 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 beaucoup. Et pour commencer, dans les premiers logiciels que vous allez avoir besoin, c'est un logiciel de design. Laissez-moi vous présenter Arweaver. Très mon nom. Pas la bonne. Arweaver. Arweaver est un logiciel qui est payant et gratuit en français. Le site qui est en allemand, il est en anglais, mais le logiciel, il est en français. Laissez-moi le présenter. Oui, ce serait bien. Hop. Vous le voyez directement dans l'écran que vous me voyez ici. Hop, hop, hop. Arweaver est un très bon logiciel. Vous avez des pinceaux, des crayons, la pastel, un design de photo, une tâche pour faire comme si je faisais une tâche, une éponge, un épais, un tampon, un pinceau à l'huile, une pastel à l'huile, un feutre, un crayon, une pâte gomme, un crayon, une comté, un charbon de bois, une craie, une casing et un acrylique. Vous avez devant vous un logiciel gratuit qui vous propose des essentiels pour être un artiste. Ce logiciel est très facile. Même un enfant de 8 ans, 12 ans et plus haut peuvent utiliser ce logiciel sans aucun problème. Voici comment il fonctionne. Je vais vous cliquer sur Nouveau. Pouvoir sélectionner toutes sortes de grandeurs. Moi, je prends toujours le défaut, l'auteur, couleur, papier, transparent. Bon, moi, je prends toujours la couleur papier parce que je me retrouve plus souvent. Vous arrivez dessus et là, vous pouvez dessiner qu'est-ce que vous voulez pour votre jeu. Moi, je vais prendre du rouge. Je vais prendre autre chose parce que lui, j'ai ses crayons. Hop, 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 je peux dessiner avec. Je vais reprendre celui. C'est pour. Ok, j'ai compris. C'est quelqu'un qu'on fait faire ça. Et celui que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Il est rouge et blanc. Si je fais comme ceci. Hop. Et si je fais comme cela. Hop. Vous pouvez faire facilement des beaux graphiques pour vos jeux. Vous pouvez faire aussi des animations avec ce logiciel qui prend très facilement. Ceci est le premier logiciel que je vous recommande car il est gratuit, très facile à manipuler. Et c'est pour cela que je voulais vous montrer ce logiciel Arweaver. Non, je n'enregistre pas. Qu'est-ce que Dictyng Fusion vous apportera pour vous? Vous êtes débutant, vous voulez commencer à utiliser ce logiciel, mais vous ne savez pas comment il fonctionne. Maintenant, laissez-moi vous présenter le fonctionnement. Vous avez ici une des barres d'outils en haut. Vous avez fichier, édition, voir, insérer, lancer, outils, fenêtre et être. Si vous passez ici, vous avez un tutoriel.
Les tutoriels sont en français. Laissez-moi rentrer. Ici, vous avez le tutoriel d'un casse-brique. Ce jeu qui est très facile à manipuler. Il va être une simplicité. Car le jeu est tout à fait viable ici, nous allons commencer à créer le jeu par nous-mêmes. Nous allons dans la première scène. Nous allons dans la barre d'outils. Libre. Tutoriel. Chocobreak. Nous avons ici. Nous avons aussi tout ce que nous avons besoin. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre ici le titre. Vous allez le poussonner. Mais j'ai une façon que ce soit rentre ici et que ce soit beau. Ici, nous avons trois petits onglets. Celui-ci est pour configurer la grille. Ici, pour montrer la grille. Ici, pour alimenter. C'est-à-dire que si je prends ceci, il va placer correctement dans l'espace ici. Ils allons presser un bouton. Parce qu'on veut. Presser un bouton. Je vais marquer. Jouer. Qu'on va y créer comme ceci. On va le faire un petit peu plus gros. Hop, hop, hop. Comme ceci. Dans cette scène, nous allons dire quand si le joueur le bouton est cliqué, nous allons dans la scène suivante. Tout à fait comme ceci. Nous allons dans la scène numéro 3. Nous allons mettre ceci. Hop. Qui va être notre écran. Ici, pour être sûr de ne pas le déplacer inutilement, nous allons faire une action. On va y dire de le locker. Là, si on l'a dans les barres d'outils, nous avons. Et voilà. Hop, hop, hop. Ça veut dire qu'il est bloqué. Que si je fais ça, hein, je ne peux pas rien faire. Vous allez dans cet outil. Cliquez sur le petit carnet et voilà. Dans le petit des actions, ici, nous allons prendre ceci pour faire les quatre coins ici. Prenons ceci. Déposons par ici. Non, ça allons ici. Ça allons lancer cette horizontale là comme ceci. Hop, le mettons comme ceci. Nous disons cela de se mettre comme cela. Vous allez voir que le tutoriel est très facile à programmer. Vous allez voir la magnificence de ce logiciel qui sera très facile à créer des jeux pour vous. Je vais remonter celui-ci comme ceci. Ça. Ici, je vais faire notre personnage, player. On va le poser. On va le mettre. Hop là. Hop. On peut y donner une mouvement statique. Ce que on va créer, c'est les huit directions.
Les durées de direction, on coche ici. On utilise gauche et droite. On clique dessus. On refait la même chose. Gauche et droite. Car on veut qu'il y ait à gauche et à droite. Maintenant que nous avons ça, nous allons avoir besoin de la balle. Hop. Nous avons la balle. Puis pour faire réaliste, nous allons faire tirer, lancer, mouvement. Ah, ce qui est fatigant, lui, antivirus. Nous allons faire. Mouvement flipper. Qu'est-ce que c'est? Cette action-là, à chaque fois, il va descendre, il va faire toc, toc. Nous allons mettre aussi des briques. Des briques. Parce que c'est un jeu de casse-briques. Nous allons mettre ce casse-briques ici. On va aller dans dupliquer. On va dédupliquer cette brique avec quatre colonnes comme ceci. Nous allons dans notre éditeur. Nous allons prendre les white chocolate. Mais ceux-là, ils ont une particularité. C'est qu'on va en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va en mettre un là, un là. Je vais désactionner cette parenthèse. Hop. Je vais monter jusque ce pot comme ceci. On va prendre ces deux-là comme étant donné. Nous allons prendre un autre. On va prendre les pistachios. Les autres aussi vont avoir une condition très spéciale. On peut les mettre comme ceci. On va prendre les chocolats. Nous allons placer comme ceci. Ça ressemble à rien. C'est pas si grave que ça. Ça ressemble à rien, notre affaire, mais c'est pas si grave. C'est un tutoriel pour vous prouver comment ce logiciel est très facile à prendre en main. Hop, hop, hop. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Ce sera votre premier jeu. D'ailleurs, nous avons besoin de d'autres choses aussi. Et quoi donc? Un score. Ah, nous allons ici. Nous allons dans les textes. Chaîne. On veut une chaîne de texte. Mais je veux que cette chaîne de texte soit au moins visible pour tout le monde. Donc, je le mets plus gros. Je l'agrandis. Je tape score avec un S, bien sûr, avec les deux petits points. Nous allons mettre un compteur, un petit compteur, compteur, qui
Nous allons positionner ici. Nous voulons avoir la même grandeur. Nous agrandissons. Je vais prendre ceci, je vais sectionner ceci. Je vais le poser ici, soit visible avec le score. Nous allons maintenant passer à la programmation. En allant ici. Dans cette programmation, vous aurez besoin, au début de la scène, vous allez faire que le mouvement soit stoppé, parce que sinon la balle va se stopper. Dès que le joueur va presser, je vais presser n'importe quel bouton, la touche, la balle sera démarré. Voici comment ça va se passer. Si collision avec un autre objet, quand on sélectionne notre balle, mouvement rebond, fixer, on va dire plus. Plus 5. Il va toujours avoir avancé. Celui-ci, il va faire comme avec un autre objet. Avec celui-ci. Celui-ci avec celui-ci, il va avoir un rebond. Il va se détruire. Il va ajouter au score un point. Ici, on va dire qu'il va changer la valeur de notre compteur avec la valeur courante du joueur. Par exemple, ici, on va avoir besoin d'une autre chose. C'est que si lui, causant avec un autre objet, nous allons ici dire à lui, si lui est une valeur, la modifier est égal à bon, désolé, j'ai été retardé. Ici, on va mettre 3 parce que chaque fois qu'il va toucher, il va enlever une valeur. Si la valeur est égale à 3, nous supprimons celui-ci, nous ajoutons au score, ajouter, on lui dit, on y ajoute 5 pour celui-ci, on lui dit, collision avec celui, il fait un rebond, mais aucune autre valeur modifiable, on ajoute une valeur. Nous avons une valeur ajoutée, et à chaque cas qui va être à la troisième de sa valeur, celui-ci va se briser. On va faire la même chose avec cette collision et celui de la pistache. La pistache, on va y mettre pratiquement la même chose que l'autre. Nous allons donner une valeur de 3. Mais de 4. On met de 4 parce qu'on veut que celui-ci soit plus endurant que celui-ci. On fait la même chose que tantôt. On dit d'ajouter une valeur à chaque fois. Un mouvement de rebond. Une valeur de destruction. Là, maintenant, on va comparer qu'est-ce qu'il y a dans la scène. Nous allons voir. Nous allons dire à la scène ici. Si je passe ici.
choisir. Une zone. Ceci est une zone. On dit ici. Hop, hop, hop. On dit ici. Hop, hop, hop. On dit ceci. On dit insérer. On dit la même chose que tantôt. Si il n'y a plus de d'objet, c'est cette frame là que je cherchais. Si il n'y a plus de frame ici, qu'il n'y a plus d'objet, nous avons gagné. Nous allons dans la scène suivante. Nous allons relancer la scène. Ici, au début, nous avons aussi oublié de mettre les vies. Fixer le nombre de vies à 3. Si notre balle est dans la position, c'est la position est ici, on dit en bas de la scène. Ici, hop, 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 il est en bas. Nous positionnons la balle, sélectionnons la position qui est à la balle ici. Nous en ferons OK. Nous allons nombre de vrilles soustraire. Désolé, j'ai une petite grippe. Il va faire ça. Si le nombre de la vie atteint le niveau 0, celui il va à la scène suivante, qui va être notre ice car. Que notre jeu est pratiquement fin prêt. Il nous manque quelque chose. Ce qui nous manque, ce sont des bonus. Dans cette étape, on va retourner à la scène d'édition, la scène d'édition qui est ici. Nous allons écrire, aller chercher dans les choses ici. Nous allons faire on va prendre celui-ci. Que lui il va être en mouvement. Pas qui répondit. Mais celui-ci, on va mettre juste qui est en bas. Si je le mets dans mon instant d'édition, que je lance le programme, hop. Je trouve qu'il va trop vite. Je le mets à 8. Je dis à celui-ci, je vais dans mon programme d'animation. Je dis au début, il est à stop. Choisir au hasard. Hop, je dis rampe insérée. Je dis choisir complet. Choisir un pistachio au hasard. Un des pistaches au hasard et dire à celui-ci de créer cet objet, notre objet ici. Relatif au pistachio. Boum. Boum. Replacer. Choisir insérer. Si celui-ci est détruit, choisir recompter. Pas qu'il était détruit. Je
ici est en collision avec ceci. Je dis à lui ici de démarrer. Nous allons faire un test ensemble. En lançant notre programmation ici. Je clique sur le bouton. Et voilà. Il va trop vite. Nous allons chercher l'édition de notre chose. Nous allons changer la gravité à 20. Nous avons oublié quelque chose de vraiment important dans notre programmation. C'est que si lui, il doit être en collision, c'est avec tout le monde. Avec lui, collision. Avec lui, collision. Avec lui, et rebond. Rebond, rebond, rebond. Faire aussi pour notre personnage. Hop. Hop. Mouvement. Rebondir. Si nous essayons notre programme. Ah, il faut encore trop vite. On met à 10. On va le mettre à 20. Collision avec celui-ci. On dit à la gravité. Nous allons faire plus simple pour vous. Là, c'est quand même assez compliqué. Nous allons utiliser la balle qui rebondit dans tous les sens. Nous allons dire au début de la scène, c'est ici. On dit au début de la scène, 3 qui est ici. Tu vas aller dans la direction sectionnée. C'est dans cette direction-là. C'est quand qui est en bas. Fixe la position. Direction. Regardez dans la. Non. C'est là aussi. On dit direction. Sélectionnez la direction. Vous allez cliquer ici, 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 ici aussi, par cette direction. Ça va faire le test. Moi, je veux qu'à chaque fois qu'il est dans le chat. En bas. Stop. Au moins, si je fais ça. Ce sera pas ça. Ça va être inséré.
Oui, des touches. Là, j'appuie sur celle-ci. Je supprime celle-ci. Je lance. Sauf que on vient de voir qu'il y a un petit problème. Celui qui ajoute un au score, mais il n'ajoute pas au score. Car lui ici. N'est pas acheminé ici, ici, ici. Nous revoyons ça. Hop. 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 Non. Hop. Et voilà. Et voilà, nous allons maintenant tester les défis. On va oublier autre chose aussi. Nous avons oublié de mettre les vies. Voilà. Notre application n'est pas si mauvaise. La seule chose que je trouve, c'est la vitesse. Qu'on va baisser la vitesse à 30. On va check si c'est toujours 30. Oui. Nous allons utiliser notre préfère plus en plus vite chaque fois qu'il est qui touche un bloc, on peut lui dire d'ajouter. Vous allez voir, ça va se casser. Hop. C'est-à-dire que c'est pas celui-là qui est choisi. Deux. Hop. Hop, 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 hop. Mais nous avons vu un problème. On peut voir ça que c'est. Ne s'est pas créé. Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons nous rendre dans notre programme. Choisir un 1. On va le remplacer. Dire que si, oui. Sa valeur modifiable est égale à 3, qui aussi une collision avec celui-ci. On va y faire une logique. Si l'un des qui est choisi qui est des valeurs égales, que la logique est que celui-ci est en collision avec celui-ci. Détruire et démarrer. Nous allons lancer notre programme. 1. Nous essayons notre programme.
pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce que c'est important? Là, ça cogne. Hop. 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 Oups. Et voilà. Mais sauf que. Oh, regarde. Répétez. Toujours, toujours, toujours. Répétez. Une fois. Vous essayez un autre programme? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous avons fait peut-être une bourgue. Voyons. Si était. Je dis. Si la valeur est égale à 3, qui choisit l'un des choses et qui répète une fois. Lors d'une logique, une collision avec celui-ci. Voyons si notre programme va fonctionner. Hop, hop, hop. Non, ça fait pas trop. Nous, on va dire qu'il répète une fois. Choisir entre ceci. On va dire aussi si direction vers l'animation. Quelle animation est en train de jouer? On va dire disparition. On va y acheter. On va voir si ça va fonctionner. D'après moi, oui. Ah, est-ce qu'il attend? Est-ce que... Hop, hop, hop. Ouais, il a joué la... Ceci. Ceci. Ah, c'est long. Hop, hop, hop. Voilà, que notre valeur, elle fonctionne. Là, c'est de savoir si notre bon bonus
Hop. Oups. Reste de vue. Mais c'est pas qu'à qui s'est cassé. On va supprimer ceci. C'est quand qu'il est en train de jouer. Nous allons remplacer ceci. On va dire admission est en... Elle vient de se terminer. Nous allons dire disparition. Est-ce que ça va fonctionner? S'il y a cette hop 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 nous allons changer aussi la vitesse de la balle à chaque fois qu'il va remplacer hop 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 donc Tong tong deux. Non, ça fonctionne pas. C'est pas qu'à cette animation-là, c'est choisir l'un des choses. On va essayer que nous feutrer. Hop. Ah ouais. Maman, arrête.